Coucou les coltos, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat, puisque One Day Selling m'a proposé à nouveau un petit partenariat. Donc j'ai choisi des choses. Alors je ne fais plus vraiment de... D'abord j'en ai encore là à faire. De grande épée. J'aimais bien, je trouve ça pas mal, mais bon, j'aime bien aussi les partiels. À la limite, je préfère les partiels, même esthétiquement, je trouve ça joli. Voilà. Et j'en ai un que j'aime beaucoup, c'était un hérisson. J'avais pris ça il y a, je sais pas quand, peut-être 2 ans, je sais pas. 1 an ou 2 ans, je sais pas. Et je l'ai toujours pas fait, puis je voudrais le faire. Voilà, peut-être que d'ailleurs, peut-être que j'en ferai gagner un, je sais pas. S'il y a des gens qui aiment bien, parce que je crois que j'en ai d'autres et enfin, que je regarde quoi. Alors là, c'est un partenariat. J'ai déjà ouvert le paquet. Donc, avec One Day Selling. Et donc, pour pas faire de grande épée, j'ai demandé les petits porte-clés. Parce que j'ai trouvé que pour. Je sais pas ouvert. J'ai trouvé que pour Noël, c'était sympa. J'ai demandé une paire de ciseaux parce que ça, on s'en sert tout le temps. Donc, voilà les ciseaux. Ils sont. Oh, je sais pas si je peux inclure les photos ou j'en sais rien. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Il doit y avoir certainement un code promo aussi si je regardais sur le mail. Puis je vous l'inclus dans la vidéo. Je sais pas ce que j'ai, une marque, je sais pas ce que c'est. Donc je les trouve vachement jolis ceux-là. J'ai pris anodisé comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Parce que c'est pas de toute beauté, ils sont pas grands, c'est pas des grands grands ciseaux, mais pour le scrap c'est bien, ça va quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Ils font 12 cm. Trop bas. Et là j'ai commandé, alors ça c'est des petits porte-clés, et j'ai dit bah pour offrir c'est mignon. Vous voyez, c'est sympa. Ça va relativement vite à faire, je présume. Oh, j'ai dû... Non, c'est pas ça que j'ai fait. J'avais fait un petit pendant, là, avec une pierre. Et dans le soleil, ça brille. C'est joli aussi. Et ça, j'ai pris... Alors, j'ai pris... Ah ouais. J'ai pris... Alors, je sais pas si c'est des deux côtés ou pas. Ah, il y en a un. Sa petite cheminée, elle est cassée. La petite maison. Un petit gâteau. Avec les pierres, ça fait très joli. Une tasse de Noël avec... comment ça s'appelle? La cannelle. Ça fait joli, ça. Un autre petit gâteau. Un petit cupcake. Un petit... Ah ouais, bah en fait, c'est des gâteaux, mais c'est quand même Noël, hein, le thème. Un petit gingerbread. Ça, j'adore. Une fleur... Un poncé-cierge, je pense. Ou avec de la cannelle, je sais pas. Une lollipop. Ah, il y a même 2 lollipop. Comme ça, rouge et verte. Et une rouge et blanche. Je pense que ça fera joli. Voilà. Dedans, vous avez les petits... Bah, toujours le petit kit. Voilà. Là, il y a aussi les petites chaînes et puis les petites attaches. Et les pierres de toutes les couleurs. Je sais pas si ça se fait quelque part. Bon, je vais couper parce que je vois pas. Attendez, bougez pas avant que ça s'ouvre là. Voilà, là vous avez le petit sachet avec toutes les pierres. De mille couleurs. Bon, c'est surtout rouge et vert quoi. Ça va être joli, hein. Ça, c'est des vertes. Voilà, c'est beaucoup de trucs de... Là, il y a aussi des grosses pierres. Moi, je trouve que c'est très mignon. Porte-clés. Parce que je vois pas quoi ça... ça... Je sais pas pourquoi ils ont mis des chaînes. Enfin, bref, c'est des porte-clés, quoi. J'adore. Pardon. Sauf que j'avais acheté tout le matos, hein. J'ai la valise pour mettre les petits diamants. Oh, j'avais tout acheté, hein. La fille, elle était partie à fond. Hein. Les beaux stylos pour mettre les petits diamants. Enfin,
et tout. Hein. Ça fait du bruit, hein. J'aime bien. Vous n'aimez pas les bruits de papier? Mais j'aime bien. Bon, c'est sûr que si vous mettez un casque, à mon avis, ça fait du bruit. Ouais. Hop, 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 je range mes petits trucs. Et un autre que j'ai pris, alors. Un autre que j'ai pris. Oui, j'ai pas beaucoup, hein. Un autre, toujours pareil. Le petit kit. Avec la petite colle. Bah, j'en ferai forcément un avec vous. Hein. Et là, j'ai pris. Étant donné que, bon, bah, je suis quand même dans le coin. Hein. Je suis quand même très, très proche. Hein. J'ai pris tout ce qui était Disney. J'aime bien quand même. J'ai pris Mini. Je l'ai pris pour lui. Parce que c'est lui que j'aime bien. Mickey. Ça, c'est une autre Mini. Ils m'ont mis beaucoup de Mini. Et un autre Mickey. Une autre Mini qui rigole. Et un Mickey. Moi, je préfère Mickey que Mini. Hein. C'est super mignon. Hein. Ça, j'ai hâte de les faire. J'aime bien celui-là avec les chaussures jaunes. Là. Je sais pas, j'aime bien. J'aime trop. Pareil. Alors, il y a à chaque fois un petit mousqueton. Comme ça. Et une petite chaînette. Une petite chaînette comme ça. Est-ce que c'est pas mignon, les amis? Et moi, je trouve que pour celles qui veulent au moins s'essayer au DP, bah, c'est pas plus mal. Ça vous montre si vous aimez ou pas, quoi. Si ça vous plaît ou pas, sans avoir à acheter un grand truc. Ou même, moi, j'ai jamais fait des grands. Je fais toujours des 20-20 en général. Je pas non plus. J'en ai accroché qu'un seul. Avec mes ours là, mais c'est tout, c'est pas un truc, je vais pas en mettre plein dans la maison quoi. Et ça, c'est donc les petites pierres. Alors là, il n'y a pas de brillant, c'est des petites pierres. Il y a même le jaune des petites chaussures, c'est des petites pierres mat, et c'est du rond. Ah si, il y a quand même là, il y a deux petites brillantes comme ça. C'est du rond. Ouais, c'est du rond. Je préfère le rond, moi. Le carré. Mais il y en a qui disent, c'est vrai, ça brille peut-être plus les carrés. Mais ça brille aussi les ronds. Puis après, vous mettez dessus... bon, bah, si c'est un cadre, il y a une vitre devant, donc ça va. Sinon, vous mettez un vernis dessus, et puis ça va, quoi. Voilà. Et ben, c'en est tout, les amis. Je vous ai tout montré. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. J'en ferai certainement un avec vous. Et puis, j'utiliserai également mes beaux ciseaux, tu m'étonnes. Et j'en ferai un avec vous. C'est joli, hein, c'est parce que j'essaie de voir qu'est-ce que ça représente, des oiseaux. Je sais pas. J'en ferai une autre vidéo, bien sûr, parce que bah, pour en faire avec vous. Et je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Voilà les amis, c'en est tout. C'est pas une grande vidéo, mais je vous ai dit l'essentiel. Et puis je vous dis, si ça vous tente de vous essayer au DP, bah moi je vous conseille de commencer par des petites choses comme ça. Ou chez Action, il y a les cartes aussi, elles sont très jolies, il y a les cartes. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais commencé, c'était avec les cartes. Je dirais, c'est pas mal. Et puis voilà, bah, si vous voyez que ça vous ennuie, au moins vous n'aurez pas fait un gros investissement. Quoi. Quoique les DP, c'est pas cher. Hein. Ouais, c'est pas cher non plus un DP, maintenant c'est dans les 3-5 euros quoi. Et ben je vous fais des gros bisous, puis je vous retrouve très bientôt pour une vidéo d'Halloween certainement, parce que ça fait, j'allais dire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Non, ça fait... c'est récent, mais bon, il reste 15 jours quoi. Donc avant de commencer les créas de Noël, je suis pas branché créas de Noël cette année. Je trouve qu'après c'est un peu routinier quoi. Après c'est toujours un peu la même chose, donc je vais voir, je vous prépare le défi de l'hiver, et puis on verra bien. Ah ouais, c'est ça, je voulais faire avec les petites fioles que m'a envoyé Isabelle, je voulais faire quelque chose, si j'y arrive, je sais pas du tout. Ah bah il y a un bouchon, il est bien enfoncé celui-là.
Celui-là, on peut l'attraper, mais il y en a un autre. On va le sortir avec une petite pince. De gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.